Ouais, tu m'entends Philippe, là c'est bon? Test micro 1, 2, 1, 2.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de la montagne Terre de Sport pour suivre en direct ce barrage aller d'accession en National 2 entre l'US Issoire et Saint-Sulpice sur l'Aise. Pour m'accompagner cet après-midi, Arnaud Clerc. Salut Arnaud. Salut Manu, excusez-moi, un peu d'émotion. C'est le retour des festivals. Exactement, c'est toujours un moment particulier. Salut à tous et salut à toutes et bienvenue sur la montagne.fr pour ce barrage d'accession à la Nationale 2 entre Issoire et Saint-Sulpice. Alors les conditions climatiques ne sont pas forcément de la partie, on a un peu de mal à l'imaginer, mais le parfum des phases finales est de retour pour l'US Issoire. Ce plaisir de retrouver forcément ces matchs particuliers, le public ne s'est pas trompé, beaucoup de monde cet après-midi au Stade du Mât pour ce grand retour d'Issoire en phase finale. Oui, il y a beaucoup de monde cet après-midi, malgré des conditions climatiques, vous l'avez dit, qui sont loin d'être évidentes. Pour avoir fait beaucoup de matchs dans la saison ici les dimanches, il y a vraiment une atmosphère particulière aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de monde et on le sait, à Issoire ici et plus qu'ailleurs, on apprécie ce parfum des phases finales. On aime ces aventures, on aime ces matchs tendus, on aime cette ambiance tout simplement. Et il y a trois ans, je crois, hein, c'est ça Manu. Hein. Il y a trois ans, le public, les supporters issoiriens avaient vécu une belle aventure avec cette équipe en Fédéral 2 et c'est reparti pour un tour. Et ça rappelle des souvenirs à certains. On a pu croiser des anciens joueurs, notamment Gaëtan Cubizol qui malheureusement a dû mettre un terme à sa carrière. Il nous confiait effectivement que forcément ces matchs de phase finale, ce parfum si particulier, ça lui rappelait d'excellents souvenirs. L'occasion pour nous, Arnaud, de présenter les forces en présence. On va commencer avec vous, avec l'équipe d'Issoire. Alors l'équipe d'Issoire, pilier gauche Gaël Guyot, talonneur Pierre Rude, pilier droit Romain Dagouré, hein, c'est la première ligne classique. Deuxième ligne, Simon Chalut, capitaine, Léo Cabantous qui sera associé avec lui dans la cage. Troisième ligne, centre, Julien Orluc qui sera associé aux ailes par Simon Cosse et Jérémy Jalut. Les charnières, Mathias Stéger et Charles Villatte. À l'ouverture, Charles Villatte, donc ailier au centre, Antonin Ollier et William Torres. Aux ailes, Pierre Gaveau, Quentin Ramad et à l'arrière, Soël Jaouda. Remplaçant François Laroche, numéro 16, Pierre Ducrot, numéro 17, Arnaud Cante, numéro 18, Simon Soulier, numéro 19, numéro 20, Anthony Bourliot, numéro 21, Baptiste Berthoul, numéro 22, Mathieu Amblard et numéro 23, le jeune pilier droit, Florian Turlier. Entraîneur, Christophe Rodier, Mathias Dubost et Mathieu Chabot. Voilà pour cette équipe de l'USI, alors que les joueurs sont rentrés au vestiaire il y a quelques minutes, ils viennent de terminer leur échauffement. Il y avait un match de levée de rideau avec une première bonne nouvelle pour l'équipe d'Issoire, puisque les espoirs se sont qualifiés pour les 16e de finale en s'imposant assez largement 34-3 face à l'équipe serrée. Les joueurs qui vont pénétrer d'ici quelques petites secondes, on va vous laisser profiter de l'ambiance ici au Stade du Mât pour la sortie des joueurs, avec la sortie des joueurs de Saint-Sulpice sur l'Aisne. On vous présentera après l'équipe visiteuse. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiance cet après-midi. J'ai du mal à vous entendre, Manu. Pourtant nous sommes côte à côte. Oui, effectivement. Alors que les joueurs d'Issoire vont pas tarder à suivre dans ce couloir du Stade du Mât pour ce barrage aller d'accession à la Nationale 2. Le match retour, ce sera la semaine prochaine du côté de Haute-Garonne. Effectivement, beaucoup d'ambiance hein, aujourd'hui et c'est incontestable. Cette équipe d'Issoire qui va évoluer dans ses couleurs traditionnelles, noir et noir, cet après-midi pour affronter cette formation de Saint-Sulpice-sur-Lez qui se présentera avec en première ligne Cojol, pilier gauche, Souvage, le capitaine talonneur et Bousquet, pilier droit, deuxième ligne, avec Sols qui sera aligné, associé par Doral Dacunia, Salis et Roche en tourbon, Ménégal en troisième ligne, la charnière, Kiratini associé à Doussin, ouvreur, les ailiers Gimeno et Demekelaer au centre, Roquebert, Calot et après en arrière, jeudi les remplaçants Saint-Sulpicien avec Bioslans, Zelaya, Pérez-Altaï, Capitson, Latapi, Chirel, Maresso et Dufour, formation de Saint-Sulpice, entraînée par Victor là-bas et Gérald Argentin, alors que le coup d'envoi fictif de cette rencontre d'être donné par Philippe Bénédic, ancien ouvreur de l'US Issoire. Une légende ici à Issoire, hein. Il a fait partie des différentes aventures en Fédéral 2. Ouais, un très bon ouvreur.
qui est passé aussi par Sainte-Florine, en Haute-Loire. Alors que le coup d'envoi va être donné d'ici quelques petites secondes par Charles Villatte, alors qu'il pleut hein, depuis un bon quart d'heure maintenant. On va composer avec ces éléments et c'est parti ici à Issoire pour ce barrage à aller d'accession à la Nationale 2. Le coup d'envoi donné par les Issoiriens, c'est récupéré tout de suite par cette formation belle montée, là, de Saint-Sulpice. Malgré la belle montée des Issoiriens qui est... On sent mettre beaucoup d'engagement là, ils veulent mettre beaucoup d'engagement dans cette rencontre. Coup de pied très intéressant là par l'ouvreur Stéphane Doussin, coup de pied long. Et c'est Jaouda qui a la récupération et qui peut dégager son camp en touche. Trouver la touche est marquée pour en parler rapidement. Tant qu'on parle de Souhel Jaouda, une belle histoire pour lui. Qui a rejoint Issoire lors du dernier intersaison et qui a reçu un prix honorifique, là, Arnaud. Et exactement, c'est une terre en Ovalie, je crois, la page Facebook, qui avait proposé donc, aux entraîneurs de Fédéralune de composer leurs 15 types. Et Souhel Jaouda a été retenu par les techniciens de Fédéralune à l'arrière. Donc, effectivement, une belle récompense pour l'arrière issoirien après avoir effectué effectivement une très belle saison. Alors là, il y a un joli coupé pénétrant de la part des joueurs de Saint-Sulpice. On sait c'est costaud devant, Arnaud. Hein. Oui, c'est justement ce que me confiait Souhel Jaouda cette semaine. Saint-Sulpice, c'est vraiment costaud devant. C'est vraiment le point fort de cette équipe. Donc dans des conditions un peu particulières aujourd'hui avec cette pluie battante. Faudra vraiment que les historiens répondent présents dans le combat et dans les phases qu'on a coutume d'appeler un peu obscures. Ouais. Cette équipe de Saint-Sulpice hein, qui a terminé à la 5e place de la poule 3, hein, la poule 2 d'Issoire qui croise avec la poule 3. Donc Saint-Sulpice 5e et qui est en forme hein, puisqu'elle n'a concédé qu'une seule défaite lors de ses 7 derniers matchs. Et cette défaite c'était lors de la dernière journée, il y a 15 jours. Revers sur la pelouse de Pamiers, 18-16, mais ils ont ramené un bonus. Donc c'est dire si cette formation de Saint-Sulpice est un sérieux client pour Issoire cet après-midi. Malheureusement, ils étaient 4e avant cette dernière rencontre. Ils se sont fait passer devant par Grouillet lors de la dernière journée. Mais bon, effectivement, ça en dit long des capacités de cette équipe. De cette équipe haut-garonnaise. Hein. Pour un petit point de géographie, Saint-Sulpice, ça se trouve un petit peu au sud de Toulouse. On a vu la très belle défense des Issoiriens sur ce ballon porté. Il y avait un ballon porté intéressant sur la première touche du côté des haut-garonnais. Et la très bonne défense des joueurs de l'USI, les joueurs de Christophe Rodier, Mathias Dubost et... Alors on parlait des forces de Saint-Sulpice et notamment de cette capacité à être bon devant mais Issoire et c'est également leur point fort hein, cette saison hein. Ils ont surpris pas mal d'équipes dans leur poule les avant issoiriens ils ont été très solides dans tout ce qui est phase de conquête notamment et dans tout ce qui est zone de ruck cette équipe issoirienne a donné du fil à retordre à pas mal de belles équipes donc ils ont les armes pour répondre aux défis de Saint-Sulpice cet après-midi. Issoire qui est allé chercher cette 8e place synonyme de dernier billet qualificatif pour ces barrages dans la poule 2 en signant notamment quelques belles performances. On pense notamment cette victoire à Vienne, un des poids lourds de la poule lors de l'avant-dernière journée. Donc, une pénalité, on est allé au-delà du ballon du côté des Haut-Garonnais. Oui, une victoire à Vienne qui leur avait permis justement de sécuriser cette 8e place et d'assurer définitivement le billet pour ces barrages. Et de souffrir un match sans pression, sans pression face à Berléton, qui était l'adversaire direct justement pour cette 8e place. Donc là, on a vu cette pénalité rapidement jouée par Léo Cabantous. Les joueurs de Saint-Sulpice n'étaient pas à 10 mètres. Du coup, ça offre la possibilité, l'opportunité là à Charles Villatte de trouver la touche sur les 30 mètres de Saint-Sulpice. Un premier lancement à suivre pour les joueurs de l'USI dans la moitié de terrain de Saint-Sulpice. Un premier lancement intéressant. C'est bien joué, oui, de la part de Léo Cabantous. Il avait vu qu'on n'était pas replacé, que la défense haut-garonnaise n'était pas replacée. On a joué vite. C'est très bien vu. Allez, lancement ensuite de Pierre Rude. Le score. Premier lancé, capté en deux temps par les Issoiriens. Il va falloir retrouver un petit peu de verticalité du côté des mauvais noirs là, sur cette phase. Le ballon était échappé et récupéré par les joueurs de Saint-Sulpice. Ouais, ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure. Cette équipe de Saint-Sulpice est très sérieuse devant. On l'a vu, c'est très solide.
Là, les historiens se sont bien fait contrer. Avec ce jeu au pied, cette chandelle de Tebaldini, de demi-mêlée de Saint-Sulpice. Bien récupéré par Hamad. C'est bien ce qu'il a fait, là, l'ailier historien. Et Charles Allez. Villat, le jeu au pied, l'occupation. Très là, bien, c'est très bien vu, ça. Et le rebond qui n'est pas favorable, donc qui reste dans l'air de jeu. Mais ça va, du coup, obliger les joueurs de Saint-Sulpice à dégager et à maintenir, là encore, le joli contrôle. Dans l'air de jeu, ouais, de Quentin Hamad. Une nouvelle chandelle à venir. Ça aussi, ça va être un secteur clé cet après-midi sous la pluie. Ah, bien capté. Attention, faut pas rater les plaquages du côté. Ouais, bien rattrapé là. Je crois que c'est Jalu qui a rattrapé le centre de Saint-Sulpice. Jalu qui était longtemps incertain avant cette rencontre et finalement qui peut tenir sa place cet après-midi. Petit souci au niveau de la cheville droite. Je crois il se faisait encore strapper ce matin. Mais il tient bien sa place et c'est un élément très important dans l'effectif historien, j'ai vu. Qui est replacé en troisième ligne pendant un coup de haut centre lors de ses premières saisons avec l'USI. Une touche bien captée là par Saint-Sulpice. Saint-Sulpice qui s'installe là, dans la moitié de terrain d'Issoire. Alors on joue depuis 6 minutes, toujours 0-0. Il fait mal ce centre, Rockbert. C'est puissant. Attention, le drop de Doussin pour Saint-Sulpice. Le ballon qui va passer à gauche des poteaux. C'est récupéré par Souhel Chaouda. Très tranquillement. Sans problème. Sur cette première tentative là. Ouais, c'est passé. Un drop qui est passé assez largement à gauche des poteaux issoiriens. On en reste à ce score de 0-0 et ce renvoi à 22 mètres. Mais on a vu là un schéma de jeu assez simple du côté de Saint-Sulpice, une belle récupération en touche. Et après, on envoie le trois quarts centre Rockbert défier la défense israélienne. Très solide le trois quarts centre. Coup de pied un peu dévissé de Jaouda. Bah, du coup, les joueurs de l'USI qui se retrouvent. Sous pression dans leur 40 mètres là depuis quelques minutes. Et on voit un peu comme le match des pros hier entre Castres et l'ASM, beaucoup de jeux au pied forcément, vu les conditions, c'est pas forcément une surprise. Pour la petite histoire, hier d'ailleurs, lors du match Castres ASM, il y a eu plus de coups de pied tentés dans le match que de passes. Une stat assez impressionnante. Oui, c'était plus de 90 coups de pied tentés, je crois. C'est. Simon, ça faillit être contré par Simon Chalut là, cette touche. Ouais. Avec Doussin là qui est servi. Plein axe, le jeu qui est renversé là par Tebaldini. Attention, il y a un second là. Peut-être un petit en avant de passe là quand même. La passe qui paraissait limite. Le ballon qui est toujours disponible pour Tebaldini. Attention, il est tout seul. Pour le troisième ligne, attention. Et ça va te laisser. Non, mais il est parti devant. Il est parti devant le coup de pied. Heureusement, puisque c'était une alerte sans conséquence à l'arrivée. Mais position de hors-jeu. La lecture de Franck Tebaldini, le demi de mêlée Saint-Sulpicien qui a vu. Son troisième ligne, Maxime Salis, là, qui était seul et qui avait pris le dessus, mais il était parti devant. C'était bien joué, oui. Il va falloir faire attention à ce numéro 9, la Tebaldini. La pénalité est trouvée, le ballon qui sort en touche à hauteur des 30-35 mètres de l'USI. C'était très bien vu là, de la part du demi de mêlée au Garonnais. Il avait vu que le rideau défensif issoirien était un peu à découvert. Mais dommage, le troisième ligne. Salis était parti avant le coup de pied, donc logiquement pénalisé. Attention, les issoiriens, il faut les assurer. Là, c'est lancé, ils sont importants. Ouais. Et du coup, ben, Saint-Sulpice est encore c'est bon, ballon, mais bien battu derrière. Ouais. Jean de Messi, là, avec avant tous. Allez, Jalut. Jalut maintenant. Bien plaqué par Bousquet. Et Léo Cabantous qui est au-delà du ballon, attention. Les esprits qui s'échauffent un petit peu là. Et Simon Kos qui reste au sol. Courant dans l'ordre, le public n'est pas forcément d'accord avec la décision de M. Lebeg. En tout cas, on reste à ce score de 0-0 alors qu'on approche de la 10e minute dans ce barrage aller d'accession à la Nationale 2. Ils se sont bien battus les joueurs de l'USI après cette touche perdue là, pour récupérer le ballon au sol. Monsieur Lebeg là, qui appelle les capitaines. Et on le répète encore, face à cette équipe de Saint-Sulpice, ça sera un secteur prépondérant là, ces zones d'affrontement.
Mais histoire qui prend les 10 premières minutes assez difficiles. Hein, on voit des joueurs de Saint-Sulpice qui mettent beaucoup de pression. Et une nette domination territoriale de la place, de la part des Haut-Garonnais. Qui a passé, je sais pas, on va dire 80% du temps depuis le coup d'envoi, je pense, dans la moitié de terrain. Je dirais à peu près ça, effectivement. Même si on n'a pas... On n'a pas Opta. On n'a pas Opta avec nous, mais... Allez, une touche à suivre pour Saint-Sulpice. Ouais, dans les 30 mètres de l'USI, toujours 0-0. Bientôt 11 minutes, ballon bien capté en fond d'alignement. La part Léo Garonnet qui forme un groupe pénétrant. Bonne défense là, pour l'instant des joueurs de l'USI qui résistent bien, mais dans un deuxième temps, la défense de Saint-Sulpice qui continue d'avancer. Il y a davantage en cours avec Monsieur Lebeg. Attention ce départ là de Tebaldini qui peut retrouver Doussin. Ah oui, ça combine bien du côté des joueurs de Saint-Sulpice. Ça va aller laisser ça. Sur l'extérieur pour le premier essai. Voilà qui est fait de Beckler qui ouvre le score après 11 minutes ici au Stade du Mans. Le premier essai de cette rencontre inscrit par l'ailier de Saint-Sulpice. Ouais, c'est un essai, c'est assez logique hein, compte tenu de ce qu'on a vu là depuis le début du match, une domination. Domination assez nette de la part de Saint-Sulpice, avec des lancers à touche bien assurés. Et derrière, on envoie la cavalerie et notamment ce trois quarts centre de Rochebert qui fixe bien la défense isaurienne. Et derrière, on peut jouer la balle à la rive à l'aile. Et c'est imparable. Solide trois quarts centre. Oui, effectivement. Très, très difficile dans le défi physique. Là, les isauriens ont un peu de mal. Face à ce joueur. Et puis, il y a une somme de petites erreurs, de petites scories là, avec une touche perdue, une pénalité concédée. Bah, du coup, les joueurs de l'USI avec un jeu au pied parfois qui manque de précision et forcément, histoire qu'ils se retrouvent sous pression dans ces 40 mètres. À force de défendre, bah, ils ont fini par craquer là sur cette action et la transformation passe. Qui passe. Ouais. De Tebaldini, ça fait 7-0 après 12 minutes ici au Stade du Mans. C'est bien tapé. Oui, effectivement, comme vous le disiez, un jeu au pied un peu balbutiant. Histoire n'arrivait pas à se dégager de la pression. Et cet essai finalement logique au bout de 10 minutes de jeu. Et le renvoi capté par les Historiens, c'est bien de réagir tout de suite. Avec cette action, Ramad dans les 22 mètres. Allez, faut y aller, faut être en soutien là. La réponse des Historiens là peut-être immédiatement après ce premier essai saint-sulpicien. Ah, c'est un peu ralenti là, c'est dommage. Ouais, il va falloir retrouver de l'avancée avec Léo Cabantous, mais bien refoulé, ça défend bien du côté de Saint-Sulpice. Et Charles Villat, le drop de l'ouvreur histoirien. Et qui passe à droite des poteaux. On va revenir peut-être. Ouais, une situation d'avantage, indique Monsieur Lebeg. Ah non, c'est le juge de touche. Non, une pénalité, c'est ça, ouais. Ouais, il y avait effectivement une pénalité sur le ruck. On a vu tout de suite la réaction, c'est intéressant ce qu'ils ont proposé là, les joueurs de l'USI immédiatement après avoir encaissé cet essai. Ouais, c'est. On l'avait vu sur le coup d'envoi du match que peut-être qu'Histoire a bien travaillé là-dessus ces renvois là parce que je les avais trouvés intéressants sur le coup d'envoi déjà, sur le premier coup de pied. Et là, on les a vus monter très rapidement avec notamment Orluc qui a récupéré le ballon et. Qui a percé. Et le choix intéressant des Historiens qui ont pris la touche. Ouais, ça en dit long. Ça en dit long sur leur ambition. La pénalité était excentrée un petit peu quand même pour le buteur. Mais une touche à assurer hein, pour les joueurs de l'USI. Allez, il faut l'assurer, c'est bien. Ouais, avec Orluc. Le coup pénétrant, la coupe se mettre en place du côté de l'USI. C'est la première situation des Historiens dans cette rencontre. Ça défend bien côté. Ça va désaxer, ça peut aller. Derrière la ligne, c'est pour l'instant bonne défense, effectivement, des joueurs de Saint-Sulpice. Est-ce que le ballon est toujours exploitable pour les Allez, il faut le sortir, là. Avec Stéger à la manœuvre. Ils vont insister avec les avant. Ah, ça, c'est solide, hein, c'est solide en face, hein, les rouges, du côté rouge. Hein. Ça défend très bien sur ces phases de jeu. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont consommés là, et là en avant commis par les Historiens. Nouvelle maladresse là sur cette situation intéressante, toujours 7-0 après un quart d'heure ici au Stade du Mans. Histoire qui vient de laisser échapper une bonne opportunité là, de recoller dans cette rencontre.
Ah, c'est dommage, là, il y avait une belle occasion de remonter, de recoller tout de suite, immédiatement au score. Mais on voit, il y a des choses à faire, hein. il y a des choses à faire cet après-midi. Et en dehors de jeu, il faut surtout pas que... Vous parliez de... C'est intéressant, cette réaction. On a pris... On sort d'une domination assez nette de Saint-Sulpice. On encaisse un essai, mais non, on n'a pas la tête dans le seau. Au contraire, on réagit tout de suite et on vient inverser cette pression. Et première mêlée, Arnaud, après 16 minutes. Ouais, c'est toujours intéressant, c'est toujours un enseignement. Alors, on sait que c'est un secteur où les historiens ont souvent répondu présent cette saison. Oui, bien sûr. Et face à des sacrés clients, hein, je me rappelle hier Kerkeran avec notamment notre ami Willa qui était en face. Non, l'Ostangien. Non, un paquet d'avant historiens qui a vraiment bien bossé sous l'égide de Mathias Dubost. La belle poussée là, Lupac du Messi, il est allé chercher une pénalité, la preuve en est. Le ballon est sorti, dommage, pas récompensé les historiens, mais en tout cas ils ont pris l'ascendant là sur cette première mêlée. Peut-être ils se font pénaliser derrière. Et c'est histoire qui est pénalisé, c'est assez curieux. Ah là, la mêlée de Saint-Sulpice, pourtant, avait vraiment subi la foudre là sur cette première mêlée du match. Ouais, il a laissé jouer l'arbitre sur cette mêlée. Le ballon a pu être extrait. Mais clairement, l'ascendant pris largement par les mauvais noirs sur cette première mêlée. Et on a vu derrière Tebaldini là, qui avait vu qu'il n'y avait personne sur le champ profond et qui a voulu jouer rapidement cette pénalité. C'est vraiment le numéro 9 type qui sent bien les coups. Il va falloir le surveiller comme lui sur le feu. Oui, bien sûr. Là, on se rappelle notamment de ce premier essai refusé pour Saint-Sulpice. Il avait vraiment parfaitement lu la situation. C'est un numéro 9 très joueur et qui voit très vite qui lit parfaitement les situations. Il sent bien les coups, il voit très vite les coups. Donc effectivement, surveiller comme le lait sur le feu. Il ne faut pas lui laisser d'espace, ni le temps d'opérer, puisque sinon il peut y avoir danger rapidement. Avec ce lancer à suivre là pour Saint-Sulpice dans ses carapettes, toujours 7-0 pour les visiteurs si vous nous rejoignez sur la montagne Terre de Sport dans ce barrage aller d'accession à la Nationale 2. Ballon bien capté en premier bloc là du côté de Saint-Sulpice. Histoire sanctionnée, ça fait 4 ou 5 pénalités depuis le début du match. Ah c'est ouais, faudra corriger ça là. Hein. Faudra corriger ça parce que ouais, effectivement la discipline c'est quelque chose d'important, d'autant plus sous ces conditions de jeu. Épuisé lors des matchs de phase finale. Et on a vu aussi que le buteur de Saint-Sulpice était plutôt à droite avec cette première transformation passée en coin. Donc attention à ne pas trop s'exposer, à ne pas donner des points facilement. Le joueur de Saint-Sulpice arrivé dès hier hein, du côté d'Issoire. Préparer au mieux ce barrage aller avant le match retour, bien sûr, la semaine prochaine, dimanche 1er mai. Ouais, ils étaient hier au stade, ils se demandaient d'ailleurs si c'est bien sur cette pelouse qu'allait se jouer le match. Après avoir fait le tour des installations du vaste complexe sportif Jacques Lavédrine. C'est ça, tout à fait. Les poteaux n'étaient pas installés. Voilà. Attention, ce départ là, suite à cette touche, bonne défense de Jérémy Jalu, il est récompensé. Très bon contest, ouais. C'est pareil, ce sont des situations qui peuvent redonner confiance là, ce bon contest. Très bon contest, ouais, c'est Jalu hein, qui vient contester et on voit là, toute l'importance de ce joueur. Effectivement, malgré sa cheville endolorie, ah là le mauvais coup de pied, c'est pas. Pénal touche qui n'est pas trouvé par Charles Villat. Ça fait beaucoup d'erreurs dans ce début de match quand même du côté histoirien, il va falloir rectifier tout ça. Et un en avant. Ça va faire une nouvelle mêlée. Le jeu au pied qui est l'une des scories historiennes un peu cette saison. Un petit peu manque de longueur, manque de précision. Même si on a progressé par rapport au début de la saison, ça reste un peu une tare dans le jeu historien. On a vu la Charles Villat qui n'a pas trouvé la touche. Et histoire, conséquence, qui reprend de la pression dans ses 40 mètres. Et sur la première mêlée, les historiens qui avaient pris l'ascendant, on va voir sur celle-ci, ce serait bien de poursuivre cette domination, de confirmer.
déjà pour envoyer des signaux positifs à l'arbitre du match. Mais il est écroulé. Alors on a parlé tout à l'heure de la victoire des espoirs de l'USI, hein, qualifiés pour les 16e de finale des espoirs fédéraux. Et une autre bonne nouvelle, ce sont les cadets historiens qui se sont imposés cet après-midi. Le président Pojola est un président heureux puisque oui. Les quatre équipes sont qualifiées pour les phases finales, hein, que ce soit bien sûr l'équipe première de cette rencontre, les espoirs, les juniors et les cadets qui vont poursuivre l'aventure. Et quand on voit le nombre de spectateurs présents aujourd'hui ici au complexe sportif Jacques Lavédrine, il y a de quoi rendre le bon président Pojola encore plus heureux. Comme le trésorier aussi. Oui. Allez, retour au jeu, 20 minutes, toujours 7-0 pour Saint-Sulpice. Avec cette mêlée, la belle poussée, pénalité, ils ont récompensé cette fois-ci les Histoiriens. Ça, c'est une bonne nouvelle, par contre, c'est un dominateur dans ce secteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont vraiment bossé avant le début de la saison, ils ont vraiment bossé ce secteur sous l'égide de Mathias Dubost. Et cette saison, ils ont vraiment dominé la plupart de leurs adversaires en mêlée fermée, et on le voit encore aujourd'hui, ça fait deux mêlées consécutives que ça suppie, c'est sur le reculoir. Et quand il pleut, les mêlées, c'est toujours un secteur clé, la mêlée, mais quand il pleut... D'autant plus. D'autant plus, exactement. Et ce nouveau lancement-là pour les joueurs de l'USI mené de 7 points, on le rappelle, alors qu'on joue depuis 22 minutes ici au Stade du Mas. Et ce lancer à suivre pour Pierre Rude, ancien Aurillacois. Ouais, passé par la Pro D2, Pierre Rude, et par les espoirs de l'ASM. Ce ballon volaillé là par Léo Cabantou, c'est l'action qui peut se développer derrière avec Orluc. Plein axe, bien stoppé, notamment par Rodbert. Rodbert encore une fois. Et Saint-Sulpice qui va récupérer le ballon puisque celui-ci n'était plus pas. Ouais, il n'a pas été libéré assez vite. Il était pris haut par Rodbert là. Ouais, il est vraiment intéressant ce joueur. Hein. Autant offensivement que défensivement, on le voit, il a vraiment du coffre. Ouais, c'est un beau bébé. Et ça offre une mêlée à Saint-Sulpice, là, à 25 mètres de sa ligne, plein axe. Si l'USI pouvait faire l'effort sur cette mêlée et chercher une pénalité, ça pourrait être intéressant. Ça permettrait, ça donnerait l'occasion à Charles Villatte, une belle occasion de recoller au score. Excusez-moi, je regarde encore ce trois quarts centre Rockbert. Est vraiment impressionnant physiquement. Ah oui, oui. Et quand on le voit comme ça, on ne dirait pas forcément qu'il joue trois quarts centre. J'aimerais pas l'avoir à table. Non. Ni le prendre dans le buffet sur le terrain. Ça ne doit pas forcément être très plaisant. Et l'introduction là pour Tebaldini. Et Saint-Sulpice. La belle poussée des Historiens encore une fois. Le ballon qui va être contesté. Encore la mêlée de Saint-Sulpice encore en difficulté, l'arbitre n'a pas bronché. Ouais. Les supporters historiens ne comprennent pas trop. Il se fait des amis, M. Lebec, cet après-midi du côté du Stade du Mas. Et le dégagement derrière. Avec cette belle... Jaouda qui sauve la touche. Ouais. Attention, il est un peu isolé. Voilà, sur le jeu au pied, on a parlé tout à l'heure, mais avantage à Saint-Sulpice, là, plus de longueur. Ouais, c'est encore un jeu au pied intéressant, là, de Rockbert. Allez, ça va offrir un lancer, là, au capitaine Saint-Sulpicien, Soulage, sur les 40 mètres de l'USI. Allez, l'alignement, il sera... Ah, Simon. Simon Chalut encore avait bien lu la situation, mais un peu court. Le groupe pénétrant là qui progresse de la part des rouges et verts. On a avancé de 20 mètres là. Et Simon Chalut qui se met à la faute. Qui est rentré sur le côté. J'ai envie de dire, elle est utile cette faute peut-être parce que ça m'inquiétait un peu là, vu la progression. Voilà, on a avancé 20 mètres comme qui rigole. Le choix des poteaux.
Dick Fano Soulage, le capitaine de cette formation Saint-Sulpicienne. Et l'occasion pour Tebaldini d'ajouter 3 points, qui mène déjà 7 à 0, on le rappelle, alors qu'on joue depuis 25 minutes ici sur la pelouse du Mar. La première passée en coin de l'autre côté, exactement la même distance, mais carrément à l'opposé. On va voir si. Il était plutôt à droite l'échauffement tout à l'heure, on va voir si ça se confirme. Non, ça passera pas. Un échec là, oui. Premier échec pour le buteur de Saint-Sulpice. Eh bien écoutez, tant mieux pour Issoire. Hein. Ah, les Issoiriens qui étaient un peu en difficulté là. Saint-Sulpice n'a pas été récompensé, malheureusement, pour les Hauts-Garonnais. C'est facile à dire, mais c'est vrai que ce serait bien qu'Issoire puisse aller jouer dans le camp adverse, puisque dès qu'ils se retrouvent dans leur camp, ils sont sous pression et la moindre touche, le moindre coup pénétrant peut être synonyme de danger. On le voit, hein, des avants très efficaces sur ces zones, ouais. sur les touches, notamment. Ce ballon qui a été récupéré par les Issoiriens, la transformation du jeu avec Charles Lillard qui va mettre du pied. Elle l'a bien vu. Ah, dommage. C'est Charles Lillard qui va finir dans l'embut. Là, on va certainement repartir sur un rebond 22 mètres, voilà qui est fait. C'est ce qu'on voit depuis un peu le début de la rencontre. Là. Ça se joue à quelques mètres, mais là encore un coup de pied. Un coup de pied pas assez précis, malheureusement. C'était bien lu. Il avait bien vu que le troisième rideau de Saint-Sulpice était à découvert. Il l'avait bien lu, la situation, mais ça manquait un poil de précision. Allez, le renvoi capté par Charles Lillard. On va envoyer du pied, une chandelle. Un poil long, cette chandelle. Bien récupéré par Rogbert. Ouais. Il est partout, Rogbert, depuis le tournoi du match. C'est lui qui met les coups de pompe, c'est lui qui fait les renvois. Il a une longueur au pied assez impressionnante. Ouais. Allez, Issoiriens, la relance de Jaouda. On a peut-être envoyé du jeu. Là. Allez, il est passé. Il a cassé un vrai plaquage, Jaouda, c'est bien. Ce qu'il a proposé. Lillard maintenant. Il peut retrouver Ollier qui navigue. Ah, il attendait du soutien derrière, il n'a pas pu donner son ballon. Stéger. Sur l'aile de Ramad. Faut être au soutien, Ramad. Allez, peut-être qu'ils emballent effectivement les joueurs de l'USI, cette partie-là. Lillard, ça libère un peu plus vite, là, c'est intéressant. On l'a vu là sur ces 2-3 dernières rues, que le ballon est sorti un peu plus rapidement. Avec William Touris maintenant. Avec Jérémy Jalut. C'est bien fait cette remise intérieure là pour le Cabantous. C'est Stéger. Avec le départ au ras de Gaël Guyot. Allez, faut libérer vite. Allez, on soutient, on continue. Sur le soutien, voilà. Dagouré. C'est la première fois du match que les joueurs. Ah, il est pris un peu haut là. Ouais, Rogbert, c'est plongé du coup. Allez, ça joue vite, là, ça emballe. Ouais. C'est bien ce que fait Issoire, là, c'est ce qu'il faut faire, faut emballer, là. Nouvelle pénalité, ouais. On le voit dès qu'ils emballent le jeu. Voilà, exactement. Les joueurs de Saint-Sulpice qui se mettent à la faute. C'est vrai qu'on avait l'impression que le début de match, avec ce jeu d'occupation, mais profiter à cette équipe de Saint-Sulpice qui s'installait dans sa partie et qui la gérait à peu près comme elle le souhaitait. Ah là, ils ont parfaitement illustré ce qu'il faut faire. Il faut emballer la rencontre, déplacer cette équipe, déplacer ces avants de Saint-Sulpice, déplacer cette équipe, jouer rapidement. Les faire courir, effectivement. Et là, parce qu'on voit, c'est assez dense. Hein. C'est des joueurs au gabarit assez dense. Il faut les faire courir, tout simplement. Jouer vite, avoir de la continuité, être présent rapidement en soutien dans les rucks. Libérer les ballons rapidement. Et du coup, sauf l'opportunité à Charles Lillard de réduire l'écart. On rappelle 7-0 après une demi-heure de jeu pour Saint-Sulpice. La première pénalité là pour le buteur Issoirien. Et ça passe. Il passe entre les fers, ça fait 7-3 après 30 minutes ici au stade du match. Ah, c'est intéressant là ce qu'a fait Issoire. Ils sont récompensés. Et c'est Jaouda qui a sonné la révolte en cassant des plaquages.
Et derrière, il y a eu de la continuité, on était présent en soutien. Ça a libéré vite et on constate que cette équipe de Saint-Sulpice a aussi des failles. Hein. Ça a peut-être réveillé entre guillemets les historiens, leur mettre un bon petit coup de boost à cette relance initiée par Jaouda, comme vous le disiez avant l'instant. Coup de pied un peu dévissé là de Villatte. Le ballon qui fuse, hein, on le voit. Hein. Ouais. Dès que touche au sol. Relance de Jaouda. Et Jaouda qui va faire parler sa vitesse là. C'est bien joué ça de la part de Jaouda. C'est bien fait. Touriste là pour Pierre Gamon qui va pouvoir pousser au pied. Allez, faut mettre la pression là. Il faut mettre la pression sur Gimeno. Il le joue au pied derrière le dégagement. Villatte. Charles Villatte. Il n'y a pas en avant. Il a eu le réflexe de se tourner dans son camp. On a vu Souel Jaouda, sa vitesse qui peut faire mal à la défense. Hein. C'est nos ballons là pour Quentin Ramad qui va pouvoir pousser au pied sans problème pour Pierre Jeudy. Jeudy là qui est face à Dagouré qui va accélérer. Il va mettre du pied à son tour. Il va peut-être pas pouvoir faire ça tout le match. Oui, besoin de souffler un peu. Ah, il y a une longue séquence de jeu là. Hein. Donc effectivement, les organismes sont un peu éprouvés. On le voit. On a besoin de souffler. On a besoin de temporiser un peu. Oui, là, c'était une séquence de jeu de deux bonnes minutes. Hein, qui a duré, effectivement. Je dirais, ouais. On rappelle le score, hein, 4 points de retard pour l'USC mené 7 à 3 alors qu'on joue depuis 32 minutes. Ici au stade Dumas. Et Ballon qui est récupéré là par Gimeno. Gimeno qui est bien stoppé là. Et Pierre Gamon le conteste peut-être des historiens. Bah, plaqué par Toris aux jambes. Tebal Digny à la manœuvre qui va insister avec ses avants. Une belle montée là des historiens. On plaque bien aux jambes, c'est bien ça. Tebal Digny encore une fois. Pour c'était pas Doucin, c'était Jeudy là qui s'était positionné en poste d'ouvreur. Les Saint-Sulpiciens là toujours à la manœuvre dans les 40 mètres de l'USI. Tebaldini encore une fois il est bien coffré, il est pris où là Tebaldini? Et le ballon qui va être récupéré derrière nous finalement sauvé par les Saint-Sulpiciens. Toujours à l'attaque. Ça joue sur une passe là. Ah, c'était bien joué là de la part de Saint-Sulpice. Et le conteste encore une fois. Le très bon conteste. Ils sont intéressants sur ces passes défensives, les joueurs de l'USI. Encore Jalu hein, qui était là au contest. Bon match de la part du troisième lignel. Très bon match effectivement. Et ça va offrir l'opportunité aux historiens peut-être de revenir dans la moitié de terrain de Saint-Sulpice. Alors que j'admire la coiffure de Maxime Salis là. Oui. Ça vous irait parfaitement bien, Manuel, si je peux vous donner un conseil. Ouais, mais je suis pas chaud là pour la rentrée. Avec ce lance à suivre là pour Pierre Rude, 4 points de retard pour les Histoiriens alors qu'on joue depuis 34 minutes. Ici, au stade Dumas, et le lancer bien capté par Simon Chalut qui dévie le ballon pour Villatte maintenant. C'est pareil. Il s'est bien proposé dans la ligne d'attaque, il va pouvoir trouver Toulouse maintenant. Oh, bien plaqué la Toris, hein. Plaquage vigoureux, on va dire. C'est bien déplacé sur cette action, cette équipe de Saint-Sulpice avec la remise intérieure là pour Jérémy Jalut. Attention, il faut que le soutien soit là. Et on a tardé un petit peu du coup, oui. Soutien historien. Là, on n'a pas... C'est la parfaite illustration. On a tardé un peu à venir au soutien. Le ballon n'avait pas libéré assez rapidement. Bon contest de la part de Bousquet. Et ils seraient logiquement pénalisés. Et ils prennent les points, ils vont tenter cette pénalité là. Ouais. Je mettrai une pièce sur. Sur votre ami Rockbert. Rockbert, ouais, avec son gros coup de pompe. Et je crois que ça va être ça. Vous avez vu juste, à mon avis, Arnaud. Un gros pointard, bam. Comme à l'ancienne. On ne serait pas surpris si vous voyez des visages passer devant la caméra de Philippe Robert. Les supporters ne voient pas qu'il y a une caméra visiblement. On s'excuse pour ces petits désagréments.
Ah là, il est à 55 mètres. Hein. Oui, plein axe. Donc le vent est quasiment nul quand même cet après-midi. Et la pluie est tombée, la pluie a cessé de tomber, pour tout dire. Mais on voit que le terrain fuse, le terrain est glissant, on voit des joueurs qui perdent souvent leurs appuis. Allez, Rodbert pour ajouter 3 points. Voilà. Coup de pied totalement raté. Par Rodbert, attention, pas commettre en avant. Un ballon qui est récupéré par William Touris, la face à deux joueurs de Saint-Sulpice. Il peut libérer son ballon. Attention, le ballon qui a été sorti là, du regroupement. Mais les Issoiriens vigilants ont pu mettre la main dessus alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours 7-3 pour Saint-Sulpice ici au stade du Mas. C'est intéressant, c'est bien ça ce que fait les Issoiriens. Allez, faites ton soutien, on avance là, c'est bien. Allez, on libère vite, faut libérer vite. Sur l'extérieur, elle est bonne à jouer là. Il va y avoir du jeu au pied par Stiger. Ce jeu au pied directement en touche là, c'est dommage que ce ballon n'ait pas pu sortir plus rapidement parce qu'il y avait, à mon sens, une bonne situation peut-être en déplaçant exactement le ballon là sur l'extérieur. Et encore l'illustration d'un jeu au pied un peu approximatif là, avec cette touche directe suite à ce coup de pied de Stéger. Ça offre une touche pour Saint-Sulpice dans les 40 mètres et quand on voit leur capacité à bien progresser sur les ballons portés, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah, on a failli encore le contrer là, de la part de Chalut. Il est pas loin Chalut à chaque fois. Attention, main avant, elle est peut-être bonne à jouer, elle est pas en ballon de récupération à jouer. Rodbert est un peu sorti du match là. On a l'impression, on l'a vu glisser sur cette tentative de pénalité. Il a voulu forcer le coup de pied, donc le pied d'appui s'est un peu dérobé. Il a mis les crampons moulés, c'est pour ça. faut toujours prévoir les deux crampons, les deux paires de chaussures. C'est dommage que ce ballon ait été cafouillé derrière là, par les historiens, parce que sur ce petit en avant, c'est toujours les meilleurs ballons à jouer. Les ballons de turnover. Du coup, ça va offrir une nouvelle mêlée. Alors qu'il reste moins de 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période, toujours 7-3 pour Saint-Sulpice. Et pourquoi pas les chercher une petite pénalité là sur cette mêlée pour souffrir un dernier ballon d'attaque dans la moitié de terrain saint-sulpicienne. Mêlée qui s'écroule. Monsieur Lebeigne qui va la faire refaire. On rappelle l'histoire qui s'est imposé à 6 reprises hein, lors de la phase régulière de ce championnat de Fédéral 1 face à Rumilly, Château-Renard, Nuit-Saint-Georges, Vienne, Bonne et Berre. Histoire qui reste sur 4 victoires lors des 6 derniers matchs disputés. Histoire qui a bien terminé la saison également. On a senti les Issoiriens franchir un cap véritablement. Ça a été un peu difficile en début de saison, peut-être un manque de confiance suite à à deux exercices un peu difficiles et tronqués avec, comme vous le savez tous, par l'épidémie de Covid. Donc il y avait un petit peu peut-être manque de confiance dans les rangs essoriens. Et puis les premiers succès sont arrivés et l'appétit vient en mangeant. Et on s'est rapidement fixé l'objectif de cette 8e place. Et en se fixant cet objectif, les Issoiriens ont montré qu'ils avaient largement la place. Ils avaient largement leur place dans cette fédérale 1 et pourquoi pas l'étage au-dessus l'année prochaine en National 2. Cette National 2, nouvelle division créée par la Fédé, qui se situera entre le championnat de national existant et l'actuelle fédérale 1. Exactement. Allez, juste une information pour vous dire que les juniors mènent 6-0 contre l'équipe d'Anthony. Avec ce bon lancer à suivre là pour les Issoiriens, dernière opportunité dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période après cette nouvelle pénalité obtenue en mêlée fermière. Oui, effectivement, là il s'agirait de bien assurer le lancer là, juste avant la mi-temps, essayer de marquer des points. Ouais, c'est Léo Cabantous là, qui a été servi en fin d'alignement. Et les mauvais noirs qui vont pouvoir former un groupe pénétrant. Mais pour l'instant, c'est bien défendu par cette équipe de Saint-Sulpice. Attention, il va falloir que le ballon sorte. C'est dommage de ne pas réussir
à capitaliser sur ce ballon capté en touche. Là, ça aurait été intéressant de marquer des points juste avant la pause. Et du coup, alors ça fait toujours 4 points de retard, 7 à 3, alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel de cette première période. Ça, on devrait en rester là, à part si l'histoire pouvait aller chercher une petite pénalité en égourmand, mais c'est vrai qu'il domine tellement ce secteur de la mêlée fermée depuis le début du match. Bah, il serait bien inspiré, ouais, effectivement. Et s'il pouvait tourner à 7-6, ce serait moindre mal dans cette. Ce serait moindre mal compte tenu de la domination, de Saint-Sulpice dans cette rencontre. Dans cette première mi-temps, Saint-Sulpice qui a joué le plus souvent dans le camp isérien, c'est pas faire injure aux hommes de Christophe Rodier. L'équipe de Saint-Sulpice sérieuse et solide. Effectivement, ça serait un moindre mal là, si les isériens pouvaient récupérer une pénalité sur cette mêlée. Ça donnerait l'occasion à Charles Villatte de ramener son équipe à un point et avant la deuxième période, ça serait intéressant. Monsieur Lebec là, qui a appelé le pilier droit isoirien Romain Dagouré, le pilier gauche Saint-Sulpicien Ludovic Cojol. Cojol qui s'est déjà fait sanctionner deux fois parce qu'il perd ses appuis. Le problème de liaison entre les deux piliers. On va suivre sur cette mêlée fermée. Il faut dire qu'avec la pelouse qui doit être un peu grasse, ça ne doit pas être évident de garder ses appuis comme il faut. C'est quelque chose qui compte, bien évidemment. Et encore la mêlée soirienne dominatrice. Effectivement, nous l'avions annoncé, Manu. Bel effort encore une fois du Paris soirien qui va chercher une pénalité importante là. Gros travail de Dagouré là. Il est félicité par ses partenaires. Ah, c'est intéressant là ce que viennent de faire les Issoiriens. C'est la dernière fois, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir un carton assez oui. Rapidement. Ça fait plusieurs pénalités. Ah, ça fait plusieurs fois, c'est quasi à chaque mêlée. Hein, oui. Allez, il faut la passer maintenant. Ouais. Réduire l'écart et ramener l'USI à un point à la pause. Ça fait 7-6. Ça serait très bien compte tenu de la physionomie de la rencontre. Charles Villatte qui a pour l'instant eu un seul coup de pied à tenter, il l'a réussi. À peu près dans une position assez similaire, un peu plus à droite tout à l'heure. Une pénalité largement dans ses cordes. L'ancien joueur des espoirs de l'ASM, champion de France avec les espoirs de l'ASM, champion de France avec l'USI en Fédéral 2. Charles Villatte et son pied droit. Ramène l'USI à un point. 7 à 6 pour Saint-Sulpice à la mi-temps. Saint-Sulpice qui a dominé ce premier acte territorialement et qui ne mène que d'un point. La belle réaction des Issoirières et on a vu par moments que lorsqu'Issoire a envoyé du jeu, il pouvait déstabiliser cette formation d'Haute-Garonne. Oui, tout à fait, pas surpris. On n'est pas surpris par ce que propose Saint-Sulpice cet après-midi. On l'a vu lors des 20 premières minutes de la rencontre avec une grosse équipe devant, notamment des ballons portés qui avancent. On se rappelle de cette action où ils ont avancé sur 20 mètres. Issoire qui était un peu en difficulté, mais Issoire qui a su réagir et qui a notamment, sous l'impulsion des Jaouda, sous l'impulsion de Jaouda, qui ont accéléré le jeu. Et on a vu cette équipe de Saint-Sulpice en difficulté quand elle était déplacée, justement. C'est quelque chose qu'il faudra assister, sur laquelle il faudra assister en deuxième mi-temps. Et on a vu aussi et surtout des Issoiriens largement dominateurs en mêlée, qui à chaque mêlée quasiment ont récupéré une pénalité, ont récupéré des ballons là-dessus. On l'a vu notamment dans la dernière minute où ça leur a permis de revenir au score. Des Issoiriens dominés, mais des Issoiriens très accrocheurs et des Issoiriens qui sont dans le match et qui le sont plus que jamais, Manu. Parfait, merci à Arnaud. On se retrouve ici quelques petites secondes ici au Stade du Bain pour suivre en direct cette deuxième mi-temps de ce barrage aller de la Nationale 2 entre Issoire et Saint-Sulpice. C'est la mi-temps. Ce sont Léo Garonnet qui mène d'un point. 7 à 6, à tout de suite.
Et de retour sur la montagne.fr pour la deuxième mi-temps de ce barrage aller l'accession à la Nationale 2 entre l'US Issoire et Saint-Sulpice. À la mi-temps, ce sont les Haut-Garonnais qui mènent d'un point 7 à 6, alors que la pluie a fait son retour, Arnaud, pour le début de cette longue période. On était plutôt heureux de voir la pluie s'arrêter en première mi-temps. Elle est de retour, effectivement, et ça va forcément peser sur les débats. Et c'est peut-être plus à l'avantage de Saint-Sulpice compte tenu de leur qualité, la qualité de leur effectif, et notamment devant où ils ont un pack assez puissant et assez lourd. Donc c'est des conditions qui n'incitent pas au jeu et à l'orgie de relance en tout genre, etc. Mais ouais, il faudra composer avec ça. Oui, effectivement, le coup d'envoi qui va être donné par l'ouvreur Saint-Sulpicien, Stéphane Doussin. Saint-Sulpice qui a ouvert le score à la 12e sur un essai de Beukeler, transformé par Tebaldini, et ensuite de pénalité de Charles Villat, ont permis donc à l'USI de revenir un point juste avant la mi-temps. Et ce coup d'envoi bien réceptionné là par les Issoiriens. Par Gavo, bien. Effectivement, bien, c'était important. C'est important de bien rentrer dans cette deuxième mi-temps. Alors on va pouvoir mettre. De bien sortir également au pied là. Soigner les sorties de camp, c'est important. Et c'est ce que ne parvient pas à faire Stager. Ouais, c'est récupéré par Tebaldini qui peut écarter ce ballon avec l'arrière jeudi là. Stoppé à hauteur de la ligne des 50 mètres. Et le coup de pied de Tebaldini, il est contré. Position d'or. Jeudi stoppé en pleine ascension. Je l'avais préparé. Je me doutais aussi, mais c'est bizarre. Pendant le match. On peut toujours compter sur vous. Nous sommes jamais déçus. J'espère ne jamais vous décevoir. Effectivement, Manu. Mais jamais, cher ami. Avec cette touche trouvée là par les Saint-Sulpiciens, avec ce lancer à suivre là sur les 30 mètres de l'USI. Alors que le jeu a repris depuis une minute et 15 secondes dans ce deuxième match, toujours 7 à 6 en faveur de Saint-Sulpice. Et attention, on a vu, ce sont des schémas de jeu qu'affectionnent particulièrement les joueurs de Saint-Sulpice, là, des touches à hauteur des 22 mètres. Le ballon qui a failli être volé encore une fois, finalement récupéré, qui va dire l'arbitre, oui, récupéré par les joueurs d'histoire, mais il a mis qu'un en avant. Un petit peu de faux rythme là dans ce début de deuxième mi-temps. On va repartir sur une mêlée fermée. On va voir justement comment va se comporter cette mêlée qui a eu du coaching du côté de Saint-Sulpice avec la sortie d'Anthony Bousquet, pilier droit remplacé par Thibaut Dufour. On a vu Saint-Sulpice en difficulté en mêlée fermée. Et sur la dernière mêlée qui a offert la pénalité du 7-6 à Charles Villat, l'arbitre avait averti verbalement les joueurs au Garonnais. Donc on va voir s'ils se mettent encore à la faute, il pourrait y avoir Un petit carton jaune, ouais, bien sûr. Alors on a dû se parler dans le vestiaire, là, ça a dû un peu sonner les cloches concernant ce secteur de jeu. Là. Victor Labat et Gérald Argentin ont dû insister là-dessus. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on fait du coaching pour essayer un peu d'inverser la tendance. Et la mêlée a belle poussée encore une fois. C'est toujours Issoire. Issoirien, nouvelle pénalité. Et là, il va y avoir un carton. Il avait prévenu Monsieur Le Bègue. Ouais, ça fait trop là. Effectivement, c'est le pilier gauche. Effectivement. Il l'avait dit juste avant la pause, la prochaine, ça serait carton jaune. Et c'est fort logiquement, il a respecté ses dires. Et on est une nouvelle fois sanctionné en mêlée du côté de Saint-Sulpice. Et Saint-Sulpice qui va évoluer à 14 pendant 10 minutes. C'est maintenant qu'Issoire doit insister. C'est 10 minutes qui vont être importantes. Là, faut essayer de venir marquer là, c'est primordial. Et surtout que c'est une période qui a parfois rarement réussi aux Issoiriens qui ont souvent connu quelques petits ratés, quelques petits trous d'air en début de seconde période cette saison. Et c'est le pilier gauche, Cojol, qui a écopé de ce carton jaune. C'est bien capté par Orluc, on peut envoyer du jeu derrière, allez. La percée d'Olier. Avec Stéger qui réclame le ballon, voilà. Il avait une petite porte, mais elle s'est refermée. Elle s'est refermée rapidement. Allez, Cabantous, la charge de Cabantous, allez, faut être au soutien. Avec Gaël Guyot, attention, le ballon qui va être
être récupérée là par les joueurs de Saint-Sulpice. Ils sont costauds quand même sur ces, sur ces phases de jeu, on voit. Hein, c'est... Et toujours, toujours notre ami Rogbert dans son style si particulier. Il est tout seul, attention là, Jaouda. Il a pris des risques. Attention de ne pas trop confondre vitesse et précipitation. Ouais, ballon qui était récupéré là par les Saint-Sulpiciens. Et par Capizone qui a fait son apparition là sur la pelouse. C'est pas très inspiré là de la part de l'arrière, ils sont rien. Voilà, là, là c'est en avant. Et sur deux ballons, deux petites erreurs là pour Jaouda. Il a vu un peu trop facile ce ballon, il s'était bien tourné justement pour ne pas commettre d'un avant dans un premier temps sur ce petit coup de pied par-dessus là, de Baldini. Et malheureusement, dans un deuxième temps, voulant se saisir de la balle, eh bien, il a commis cet en avant. Il a peut-être un peu perdu ses appuis. Et du coup, ça va faire une mêlée intéressante là, pour Saint-Sulpice. Alors qu'on fait depuis 5 minutes dans cette seconde période, toujours un point d'avance pour Léo Garonnet, 7 à 6. Avec du coaching effectivement pour jouer la mêlée. Hein. Rappelons qu'au jeu, elle a pris un carton jaune il y a 2-3 minutes et c'est Celaya qui va rentrer pour la disputer. Et sorti du numéro 8, c'est Ménégel. C'est Ménégel qui est sorti. Et qui s'est positionné en poste de numéro 8 en mêlée, Arnaud? Rogbert. Oh, il a le physique. Hein. Oui, effectivement. Il a le physique. Il faut essayer de rattraper l'erreur là. Ils ont anticipé la poussée là. Attention, c'était pas joué à l'endroit de la faute. Et Rogbert qui va jouer attention, rapidement. Il faut bien défendre, là faut tout envoyer. Il y a un avantage en cours, il a son bras tendu là, monsieur Lebeg. Les Saint-Sulpiciens à l'attaque là à 5 mètres. Allez, comme des bords de fin en avant, mais il va revenir à la pénalité. Ouais. Le jeu, on va... Attention, être vigilant. Ah, les esprits s'échauffent un petit peu. Jalu, bon, ça... Attention, bien rester concentré, rester dans le match. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont à 14, on le rappelle. À part s'ils se sentent forts, s'ils veulent... Moi je prendrai les 3 points mais après. Ils vont jouer à la même. Je suis pas sur le terrain. Et oui, ça va à l'ancienne. Avec Tebaldini à la manœuvre. Il va envoyer l'artillerie là. Attention, allez les Issuriens comme des morts de faim là. Ouais, il faut défendre là, sur cette phase de jeu, pas encaisser deux points, ça pourrait faire du bien aux têtes. Parce qu'il y avait 3 points quasiment offerts là aux Saint-Sulpiciens sur cette pénalité. Ils ont préféré jouer à la main. Avec la bonne défense, la bonne défense, ça ouais. Effectivement, quand t'es sur rien, c'est ce qu'il faut faire. Allez, il faut les faire reculer là. Attention, le bon contest là, peut-être derrière. Bon, on fait toujours, et encore Jalu. Les Saint-Sulpiciens toujours la main sur le ballon, mais ils ont reculé de 10 bons mètres. Ouais, ah, le bon package de Jalu. On a reculé de 10 mètres là côté Saint-Sulpice, c'est très bien ce que font les Issoriens. Pour un avant, me semble-t-il. Attention, la passe au pied de Doussin. Dans les 22 mètres, attention le retombé, et le ballon qui est récupéré par attention, les joueurs. Attention, c'est Callot là qui a pu mettre les mains sur le ballon, mais la bonne défense encore une fois. Et Léo Garonnet là qui recule. Ah, c'est bien ce que font les Issoriens là. Pied, là qui est contré, l'arbitre on va qui revient, revenir à la faute. Ah, peut-être bien là qu'on va pour un plaquage haut, ouais, effectivement. Bah, il me semble que le plaquage haut était un peu plus reculé quand même. Bah, je pense que. Je pense qu'on va prendre les points là. Les points, oui, cette fois-ci. C'est logique. La bonne défense, hein, ouais, ils vont prendre les points. La bonne défense des Issoiriens. C'est logique de prendre les points. La pénalité est tout à fait réalisable. C'est dommage que cette petite faute là pour Placageo, parce qu'ils avaient très bien défendu les Issoiriens. Ils avaient fait reculer, parce qu'on rappelle, c'était une pénalité à 5 mètres. Hein. Après, l'engagement que l'on met dans ces phases-là va arriver. Peut vous faire des fautes, c'est inévitable.
Et Tebaldini qui a l'occasion d'ajouter 3 points. Ah, le 6, ça va, je suis pas peur. Ouais, la coiffure de Salis plaît beaucoup aux supporters historiens. Ouais, elle fait parler. C'est vrai que c'est assez particulier quand même, faut le reconnaître. Et Tebaldini, c'est un style face au perche, qui ajoute 3 points et ça fait 10 à 6 en faveur de Saint-Sulpice alors qu'on joue depuis il y a 50 minutes. Le stade pour Saint-Sulpice par le Tebaldini. Ah, c'est dommage, là, encore cette petite erreur là, de Jaouda là, qui coûte 3 points, qui coûte 3 points finalement. Il a failli être récupéré là, ce ballon dévié du bout des doigts hein, par Saint-Sulpicien. Allez, faut bien jouer, il n'est pas sorti de son match, allez. C'est bien récupéré. Il faut du soutien là. Allez, faut pas le laisser seul. Grosse bataille quand même sur le. Ouais, ouais, ça va. Ils ont, quelques velléités là, les joueurs de Saint-Sulpice. Alors que Bourlio est rentré à la mêlée à la place de Stégère. Attention, ballon perdu au contact là par Zizourien. Il s'est joué rapidement là avec. Attention, à l'aile. Attention à Gimeno. Gimeno qui va se saisir du ballon et qui va platir, que va dire l'arbitre. En avant. En avant. Ils s'en sortent bien, Zizourien là sur cette action. Encore une fois un ballon perdu hein, et la transformation du jeu immédiate derrière Déo Garonné avec cette passe au pied là, de Calot sur l'aile de Gimeno. Des Déo Garonné qui sont bien plus entreprenants qu'en première mi-temps, qui propose un autre rugby. Oui. Ça va vite derrière là. Il n'hésite pas à jouer d'ailleurs. Oui, ouais, bien sûr. Il propose autre chose. Il va y avoir une mêlée importante et ce serait bien pour les Issoiriens de pouvoir sortir. De leur 22 mètres, là, se donner un petit peu d'air et puis se retirer un peu de pression et aller jouer chez les Saint-Sulpiciens. Alors finalement, il n'y aura pas d'un avant, il y a un renvoi dans but, indique l'arbitre. Bon. Alors, si à l'opposé depuis notre position de commentateur, je vous dirais. Je vous dirai des bêtises, effectivement, donc, pareil. On va s'abstenir. On en dit assez comme ça. Il y a du coaching, le talonneur. Soulage qui cède sa place à Vieux-Zélange. Et Saint-Sulpice qui gère très bien son infériorité numérique. Hein. Attention, le drop de Roquebert. Et ça passe. Et ça passe. Dans un style très particulier qui lui appartient. Mais c'est pas le style, c'est pas le primordial, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que c'est 3 points de plus pour Saint-Sulpice. Ouais, mais ils sont pragmatiques, là, les Saint-Sulpiciens. Qui, en infériorité numérique, vient d'affliger un 6-0 à Issoire. Voilà, ils ont des mal sur les renvois, là. Allez, faut y aller. Faut y aller, mon grand. Ils arrivent à tenir les ballons, ils ont eu du mal là, depuis le début de cette seconde période. Avec Dagouré, la charge de Dagouré qui l'a échappé. Ouais. Ah, ça fait beaucoup d'erreurs là, commises par les Issoiriens dans ce début de deuxième mi-temps. Les scorilles qui permettent aux Saint-Sulpiciens de remonter les ballons. Les ballons qui récupèrent. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que c'est surtout à 15 contre 14. Allez, les juniors de l'USI mènent contre Anthony 14 à 7. Léo Cabantous va céder sa place, me semble-t-il, puisque. Ça sera une blessure à suivre parce qu'il y a de la casse en deuxième ligne du côté d'Issoire. Vuetti qui rupture des croisés hein, lors du match contre Berlétan qui est une saison logiquement terminée. Ah, il reste sur la pelouse. Non, il sera visible non, il pas. Peut pas. C'est la cheville visiblement. Ah, il hésite, il aimerait rester, bien sûr. Ah, c'est Simon Soulier. La cheville gauche, visiblement, un peu boîte bas. Ah, c'est embêtant. Ce serait une absence embêtante, là, compte tenu des soucis d'effectifs en deuxième ligne. Simon Chalut, hein, qui est d'ordinaire troisième ligne, elle, qui
qui a souvent joué en deuxième ligne cette saison pour pallier justement au souci d'effectifs dans la cage. Et c'est Simon Cos, me semble-t-il, qui monte en deuxième ligne. Parce que je vois Simon Soulier se positionner en troisième ligne, je ne sais pas, et Simon Soulier c'est un troisième ligne. Avec l'introduction de Tebaldini et toujours ben, c'est 7 points d'avance pour Saint-Sulpice qui mène 13 à 6 alors qu'on joue depuis un quart d'heure dans cette seconde période. Et cette fois c'est la mêlée à Rissouard qui est pénalisée. Ah, ça s'échauffe. Ça s'est chauffé un peu les esprits là entre Tebaldini et Soulier. Il faut qu'ils se. Il faut pas sortir du match. À l'endroit là, les Issoiriens. Il n'y a que 7 points. Il reste encore du temps dans cette partie. Ce qui est certain, c'est que Saint-Sulpice aura bien négocié cette infériorité numérique suite au carton jaune infligé à Cojol. Je trouve que c'est une équipe très rigoureuse. Je trouve qu'ils construisent remarquablement bien leur match. Ils ne cherchent pas à faire ce qu'ils ne savent pas faire et ils se reposent sur leurs points forts. C'est une équipe expérimentée, c'est leur sixième saison consécutive en Fédéral 1. Ils étaient montés en 2016-2017. Ils avaient été quart de finaliste de Fédéral 2 lors de la saison 2015-2016, après avoir terminé à la première place de leur poule. Donc ils connaissent bien ce championnat de Fédéral 1. On rappelle, cette saison, ils se sont imposés 4 fois à l'extérieur du côté de Castanet-Tolosan sur la pelouse du Touek-Touek à Toulouse, à Kessel-Sarrazin et à Serré. Et ils ont fait un match nul du côté de Valence-d'Agen, une équipe qui voyage bien. Alors qu'on avait des crampes du côté de Pierre-Rude, visiblement. Mais le talonneur restait sur la pelouse. Ballon bien capté en touche. Ouais, premier bloc là. On essaie de former un groupe pénétrant derrière. Ils savent. Et Simon Soulier là qui est bien placé, ballon qui est éjecté par Tebaldini là pour Doussin. Oh ouais, placage, ouais. C'est Gilad qui avait. Placage. Et c'est un Sulpice là qui peut progresser. Il a sifflé un placage haut de Villat là. Ouais, effectivement. Il me paraît peut-être un poil sévère puisque le joueur était en train de tomber. Ouais. Alors on se fait beaucoup pénaliser là côté historien, c'est trop là dans cette deuxième mi-temps. Ça fait beaucoup d'erreurs quand même dans cette seconde période. Entre l'indiscipline, les mauvais choix, les erreurs, les maladresses. Hein. Et François Laroche qui se prépare sur le banc, tout comme Mathieu Anglard. Le coaching à venir très certainement là du côté de l'USI. Pour les 20 dernières minutes de cette rencontre, on rappelle 7 points de retard pour l'instant pour les Issoiriens qui sont menés 13 à 6. Et Saint-Sulpice qui mène le match comme il l'entend depuis le retour des vestiaires là. Ouais, c'est comme je vous disais Manu, c'est une équipe qui récite parfaitement son rugby, qui construit parfaitement bien son match. Ils font des choses simples, touche, ballon porté. Ils sont assez dans leur manière de faire. Tebaldini a l'occasion d'ajouter 3 points supplémentaires dans l'escarcelle des Haut-Garonnais alors qu'on joue depuis 58 minutes ici au stade du Bain. Je trouve aussi très. Le ballon qui passe à côté. Ah, ça. C'est une bonne nouvelle. Deuxième échec pour le buteur de Saint-Sulpice. Ah, c'est une bonne nouvelle là pour Issoire, 10 points, ça aurait commencé à faire. Il aurait fallu marquer 2 fois là. Les Issoiriens restent encore à portée de fusil. Ça fait 9 points laissés en route au pied par les joueurs de Saint-Sulpice. Dans cette rencontre avec Anthony Bourliot. Allez, il faut être plus rapide là sur les soutiens. C'est ce qui manque un peu à Issoire dans cette deuxième mi-temps. Avec Pierre Rude là, qui a essayé de faire parler sa puissance. Et bien ils sont. Je les trouve aussi redoutables sur les rocks défensifs Saint-Sulpice. Ils perturbent beaucoup les sorties de balles issoiriennes. Et Jaouda tient debout, il casse un pré-platage. Ah, c'est bien ce qu'a fait l'arrière là. Allez, faut mettre encore un ballon tombé. Saint-Sulpice
ça fait le quatrième en avant commis par les Issoiriens. Ah, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce qu'Issoir n'arrive pas à mettre de la continuité dans son jeu. On n'arrive pas à... Et on n'arrive pas à venir jouer dans le camp de Saint-Sulpice, tout simplement. Là encore, le score est logique, hein, de voir Saint-Sulpice mener... Effectivement. Du coaching du côté de l'USI. Arnaud Kank qui rentre en deuxième ligne. Donc, il remplace Julien, on lui propose le troisième ligne centre. François Laroche qui remplace Pierre Rude. Et Antonin Poignet. Antonin Poignet qui cède sa place, remplacé par Mathieu Angla. Il va y avoir un changement aussi du côté de Saint-Sulpice avec l'entrée du 18. Pérez Aldaï. Ah, Pierre Rude, il est cuit. On l'avait déjà tout à l'heure, il avait des crampes, le talonneur issoirien. Ah, il s'est beaucoup filé. Hein. C'est vrai que c'est un match pour avant aujourd'hui, s'ils sont filés. Cette mêlée, et qui pourrait peut-être offrir l'opportunité à Issoir, on les avait dominateurs, même s'ils ont été pénalisés sur la précédente mêlée. Mais... Là, encore une fois, on n'a pas les stats, hein, mais en domination territoriale, dans cette deuxième mi-temps, c'est... C'est assez impressionnant quand même. L'arbitre difficile de jouer là, avec le ballon sur l'aile de Bekeler, auteur de l'unique essai de cette partie. Jaouda. Et Jaouda, Jaouda qui passe un peu les plaquages. Ah, là, et il est retenu par le maillot. Par Enzo Roche, là, qui l'a bien stoppé. Et les Issoiriens encore hein, dans leur 22 mètres, ils ont du mal à sortir de leur camp. Et Charles Villatte au pied. Trouvé par Charles Villatte. Et du coup, Issoir qui se retrouve une nouvelle fois sous pression. Ah, mauvais jeu au pied de Charles Villatte qui a complètement dévissé sa sortie de camp. Il n'y a pas grand chance qu'il fonctionne côté Issoirien depuis le retour des vestiaires quand même. Hein. Faut bien le reconnaître. Ouais, c'est un peu la panne sèche là, dans cette deuxième période. Et pourtant, ils sont toujours dans le match. Il n'y a que 7 points de retard. Que 7 points de retard, c'est ça. Et ce serait bien de rester dans ces 7 points, puisqu'on rappelle ce barrage d'accession, on se joue en match aller-retour, et ce sont les points terrain qui comptent. Et s'il devait y avoir défaite aujourd'hui, au moins marquer un point avant le match retour la semaine prochaine. Effectivement. Attention, ce départ d'Enzo Roche, là, suite à cette touche. Position de hors-jeu. Qui est sanctionné en position de hors-jeu. Ça fait beaucoup de fautes hein, commises là par les Issoiriens aussi. Voilà, c'est la discipline, c'est beaucoup trop lent en deuxième mi-temps aussi. Les deux, on le répète, hein, les indisciplines, les petites fautes de main, les sorties de camp mal négociées. La pénalité, et je crois qu'on a changé de buteur parce que Thébaldini a cédé sa place, était remplacé par Alexandre Latapie, et du coup c'est Stéphane Doussin qui va s'y coller, l'ouvreur de cette formation saint-sulpicienne. Alors qu'on joue depuis 63 minutes ici sur la pelouse du Mas, Issoir, 13 pour Saint-Sulpice, 6 pour Issoir. Alors que Baptiste Berthoul s'apprête à effectuer sa rentrée. Très certainement son à la entrée place de Charles Villatte. Charles Villatte, oui, l'ouverture. Et peut-être 10 points d'avance là, pour... Saint-Sulpice, au bout du pied droit de Stéphane Doussin. Baptiste Berthoul, un très jeune ouvreur. Ah, ça passe. Ballon qui va passer entre les poteaux. Passe. Pas de problème, poteau du milieu. Saint-Sulpice 16, Issoir 6. Ça commence à devenir compliqué, là, 10 points d'avance, il faut marquer deux fois. Et comme vous le disiez, Manu, ça résume parfaitement... La domination de Saint-Sulpice dans cette deuxième mi-temps. Un 9-0. Allez, il faut montrer autre chose. Les hommes de Christophe Rodier doivent réagir. Et c'est un renvoi direct. Il n'y arrive plus, là. Le jeu au pied, ça aurait été quelque chose de compliqué pour les Issoiriens cet après-midi. Trop de ballons rendus. Que d'erreurs. Là, c'est Baptiste Berthoud, je pense, pour son premier ballon. Euh...
Ça me fait penser un peu au même match que l'ASM Clermont hier à Castres. Sans solution, hein. C'est... Pas de solution, des mauvais jeux au pied, des maladresses. Point de retard, un quart d'heure à jouer dans cette rencontre, dans ce barrage aller d'accession avec cette mêlée et les gens de Saint-Sulpice qui ont bien rectifié le tir en mêlée fermée aussi. Pourtant qui était en grande difficulté en première période avec au moins 4 pénalités concédées dans ce secteur. Là c'est eux qui prennent l'ascendant sur cette pénalité, un avantage en cours. Le ballon qui va être joué là, poussé. Attention, c'est le troisième rideau est découvert et c'est une touche. Ouais, très belle touche, hein. Mais l'arbitre qui revient à la pénalité sur cette mêlée fermée. Baptiste Chérel là, hein, qui avait poussé au pied. Et 50 mètres en face des poteaux, Roquebert. Je pense qu'ils se lassent. Bon, effectivement, le staff qui amène le tir là, sur la pelouse. C'est vrai qu'il a un gros coup de pompe. Il va prendre des points. Lucas connu un échec en première période. Non, c'est pas lui qui va prendre le but. C'est Doucin. Effectivement. Peut-être refroidi par son échec en première période. Oh, il avait complètement perdu l'équilibre en voulant forcer son coup de pied. Et Doucin, l'occasion d'ajouter 3 points et de porter le score à 19 à 6 en faveur de Saint-Sulpice alors qu'il reste moins d'un quart d'heure à jouer dans ce barrage d'accession. Pour l'instant, Saint-Sulpice qui a la main sur le match. Et Doucin, son pied droit, il y aura la puissance. Et il y aura la puissance et pas la précision. On en reste à ce score de 16 à 6. Allez, il reste un quart d'heure là. Un quart d'heure aux historiens pour essayer de marquer. Comme vous l'avez signifié, au moins essayer de prendre un point de bonus défensif avant le match retour. Je ne veux pas dire une bêtise, mais je pense qu'Issoire n'a jamais eu un ballon d'attaque dans les 22 mètres en deuxième mi-temps. De Saint-Sulpice en deuxième mi-temps. Non, vous ne dites pas de bêtises. C'est effectivement vrai. C'est... Et vous posez là toute la problématique de cette deuxième mi-temps et des difficultés issoiriennes à sortir proprement de leur camp. Les banlieues, ils ont du mal à tenir le ballon dans cette seconde période, hein, beaucoup d'en avant. Et du coup, ils se retrouvent toujours sous pression. Il faut dire qu'il y a une belle défense aussi en face, on voit sur cette, ils sont, cette action. Ils sont dominants physiquement devant aussi, hein, ça Saint-Sulpice. Et Berthoul, on peut allonger là pour Touris. Touris qui a une solution là. Sur son extérieur avec Ramad, mais il n'y a pas de solution, là. Ça fait l'essuie-glace, on n'avance pas. Bourlio, allez, Simon Chalut. Prends du soutien là pour Simon Chalut. Prends du soutien. Il y a un plaquage un peu haut là. Ouais. Il paraissait effectivement avoir été pris haut là sur cette action et l'arbitre qui est derrière. Il est gaillard, Simon Chalut, parce qu'effectivement il y avait un plaquage haut. Là il y a un avantage en cours. Faveur des Issoiriens. Le voilà le premier ballon dans le camp de Saint-Sulpice en deuxième période. Effectivement, 68e minute pour la première fois de cette seconde période. Allez, est-ce qu'Issoire peut renverser la rencontre là dans cette dernière minute? Il faudrait marquer là sur cette action. Il faudrait marquer quelque chose, c'est important. Et Bourlio qui peut renverser. Jaouda. C'est Bon Chalut qui sonne encore la charge. C'est bien ce qu'ils proposent les Issoiriens avec Dagoré. Pour la première fois, il pénètre dans les 22 mètres. À 12 minutes de la fin de cette rencontre avec Berthoul. Berthoul, la porte est ouverte. Et c'est l'ASM Jaouda. Et c'est au pied des poteaux. Quelle action Issoirienne. Pour la première fois, c'est seconde période où ils arrivent à se faire les passes, à conserver la balle et ils ont récompensé avec cet essai de Jaouda, 12 minutes de la fin. Jaouda qui relance lui aussi dans cette rencontre. Et c'est Laroche qui a remarquablement joué ce 2 contre 1 pour son arrière. À quelle action. Ah là, ils font plaisir les Issoiriens.
Ah là, c'est pas pareil, là, les 10 dernières minutes maintenant. Effectivement, avec Bourlioz qui va tenter d'ajouter 2 points et de ramener son équipe à 4 points seulement. À 3 points, pardon, seulement des Saint-Sulpiciens. Les Bourlioz sont en tête numéro 23, Florian Turlier. Florian Turlier qui rentre à la place de Dagouré. Gros match de Dagouré. Hein. Oui, effectivement. Et la transformation est réussie. Ça fait 16 à 13 pour Saint-Sulpice à 10 minutes de la fin de ce match. Ah, c'est étonnant là, c'est la première fois de la deuxième mi-temps où Issoire a réussi à avoir de la continuité dans son jeu, à réussir à enchaîner, à être rapidement en soutien sur les courses. Le ballon qui a été vite déblayé. On joue derrière, on fait les bons choix, on garde le ballon. Et il n'y a pas de hasard. Hein. C'est le côté positif aussi. Et ce qu'il faut à retenir de cette rencontre, c'est que lorsqu'Issoire parvient à tenir la balle, on l'a vu par moment en première période, ils arrivent à déstabiliser cette équipe de Saint-Sulpice. Ah là, c'est les... Elle est bonne sur l'extérieur, il y a un surnombre là. C'est dommage. Que d'erreurs, que de scories dans cette seconde période, même des tours punaises. Il y a une peine. J'allais citer d'anciens illustres confrères à nous. Les mouches ont changé d'âne un petit peu là dans ces 10 dernières minutes. Le cochon était pourtant dans le maïs un peu en deuxième mi-temps. Mais La cabane était tombée sur le chien, mais le chien n'est pas mort, force est de constater. Alors qu'il a sifflé un plaquage au haut et du coup, ça a été une pénalité pour l'USC qui m'avait échappé. Mais franchement, je ne l'avais pas vu. Ah, pareil. Du coup, le public qui donne de la voix, qui pousse le SI dans ces 10 dernières minutes. On rappelle le score, 3 points de retard, 16 à 13. Cet essai de Jaouda là, qui a tout relancé. Et Chalut, là, le capitaine qui a montré la voix. Oh, la passe, elle est un peu imprécise. C'est curieux d'avoir fait cette sautée là. C'est la précipitation quand même du côté de l'USI là. Pas confondre avec la précipitation dans cette fin de match là. Et la balle qui finit en touche, ça va être un lancer en faveur de l'USI me semble-t-il. Allez. Faut pas confondre vitesse et précipitation, faut faire les choses dans l'ordre. Ouais, à 8 minutes de la fin de ce barrage aller. On rappelle le score, 16 pour Saint-Sulpice, 13 pour l'USI. Saint-Sulpice qui a toujours fait la course en tête dans cette rencontre. Il est mené 7-0 après un premier essai de Buttefeller. Et derrière. Allez, c'est bien capté. Allez, on joue. Il y a un surnombre. Ah, dommage, il a repiqué la course en centre. Il y avait peut-être mieux à faire sur le côté. Il y a du monde d'un côté fermé du côté de l'USI avec François Laroche. J'ai l'impression qu'ils sont un peu cuits là du côté de Saint-Sulpice. Il est passé là sur un aile ramade. Le ballon qui reste. Il a mis son pied en touche. Enculé de jambe. Enculé de jambe. Putain, ils nous ont fumé tout le match. Excusez-nous pour les insultes. À des supporters historiques qui sont un peu emportés par leur enthousiasme. On taira les noms. Un ancien joueur. Ah, ça fait partie du folklore. Oui. Ah, des petits noms d'oiseaux. Effectivement, et se lancer à suivre là pour Vieuxlange et les Saint-Sulpiciens à 7 minutes du terme de cette partie. 3 points d'avance pour Léo Garonnet. Il y en a qui vont se mettre sur. Qui a fait leur force, les ballons portés, un avantage en cours là, ils ont écroulé les Issoiriens. Allez, faut plaquer. Voilà, comme ça. Doucin. Ah, il y a moins de. Ah, ils sont mis sur le reculoir là, Saint-Sulpice. On sent qu'ils baissent un peu de pied physiquement, ouais. Mais c'était à prévoir compte tenu, on l'avait signifié en première période. C'est une équipe qui est assez lourde physiquement, qui est dense, et il faut les déplacer.
Il n'y a pas de mystère. Il a pénalité là en faveur de Saint-Sulpice. On va prendre les points, c'est logique. On sortirait histoire du bonus, hein, défensif. Du moins, on voudrait essayer de sortir histoire du bonus défensif, parce que c'est 7 points. C'est un choix qui est peut-être pas... va récupérer le ballon suite à cette pénalité. Et il y aura peut-être une dernière opportunité pour aller chercher la victoire, quoi qu'il arrive, dans cette rencontre. À 5 minutes du terme, 16 pour Saint-Sulpice, 13 pour Issoire. Excusez-nous, on n'a pas moyen de censurer les insultes. Ça passera à côté, ça passera à gauche. Échec pour Doucin. Ils ont laissé des points en route. Ça peut être une donnée importante en vue du match retour. Et toujours 3 points de retard avec ce très bon renvoi là qui va faire cavaler les équipes de Saint-Sulpice. Il faut monter, mettre la pression là du côté d'Issoire pour aller. Et c'est Rockbert. Une bonne touche derrière. Rockbert qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Il leur fait du bien, Rockbert, hein, quand même. Ouais, bien sûr. Il est atypique, mais. Jaouda, ça s'est bien tapé, oui. Jaouda, la belle touche, l'a trouvée par Soel Jaouda. Très beau jeu au pied. Qui ramène le jeu dans les 40 mètres de Saint-Sulpice à moins de 7 minutes de la fin de ce barrage allé. Il remobilise ses coéquipiers, il remobilise ses gros. Ah, il fait un bon match encore, l'arrière et sans rien, mis à part cette petite imprécision tout à l'heure qui a coûté une pénalité, ce petit en avant. Je sais pas quel est le journaliste de La Montagne qui a décidé de faire un article sur lui pour la présentation, mais il a eu bon nez. Allez, quel flagorneur vous êtes. En avant. Et le ballon qui va être en avant. Ils sont chauds, les supporters d'Issoire. Cette mêlée là, et le public qui donne de la voix. 3 minutes et 30 secondes dans le temps réglementaire, 3 points de retard pour les Issoiriens, 16 à 13. Il y a un effet dans cette partie. Voilà, c'est le stade La Védrine est chauffé à blanc là, véritablement. Avec cette introduction là pour Anthony Bourliot, il a connu lui les fins de match à la suspense en 2019, dans l'incroyable parcours des Issoiriens en phase finale. 3 minutes à jouer, 3 points de retard pour l'UNSI, 16 à 13, la mêlée sur les 40 mètres. Les Bourliot d'introduction, ballon qui est sorti là par Simon Cosse. Ah, Simon Cosse qui est derrière. Allez, faut y être, voilà, c'est bien. Bonne défense, assure Pierre Ducrot, la part des Saint-Sulpiciens. La part de Doucin, notamment Jalu qui fait un très bon match aujourd'hui. On l'aura vu énormément, effectivement, on s'est coordonné. Et l'arbitre qui estime que le ballon était sorti et que le pilier gauche n'était pas en jeu, elle était bonne à jouer là sur la charge avec Ducrot. La charge de Ducrot. Bourliot. Et ben, toujours en possession des Issoiriens avec La Roche. Bourliot pour Berthoul. Ils défendent bien les joueurs de Saint-Sulpice là, moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire, toujours 3 points d'avance. Ah, c'est bien joué ça. Ouais, la remise intérieure, attention, le soutien derrière. Le ballon qui a été récupéré là par les joueurs de Saint-Sulpice. Et c'est toujours Rockbert qui récupère la balle. Ah, c'est l'homme du match, je pense. Ils vont mettre du pied là. Léo Garonnet, attention à le retomber, il faut le récupérer ce ballon. Récupéré par les Issoiriens. Ouais, parce que le 14 le 14 a effectué une très bonne montée. C'est bien joué ça. Allez, faut y aller, faut le jouer ce coup à fond. Faut y aller là avec Mathieu Anglard là.
qui rentre dans les 40 mètres. Il y a un peu plus d'une minute à jouer et Mathieu Ambard qui va finir en touche. Bonne défense encore une fois, c'est dommage parce qu'il y avait un coup à jouer là pour les Issoiriens sur cette situation, mais la défense Saint-Sulpicienne qui a bien coulissé pour aller stopper Mathieu Ambard. Ça va offrir un lancer là pour Quentin Vieuzelange, le talonneur en remplaçant de cette formation de Garonne. Pour l'instant, Saint-Sulpice qui tient son succès à l'extérieur lors de ce barrage aller, 3 points d'avance alors que on va bientôt rentrer dans le temps additionnel, le jeu est arrêté, il y a un joueur de Saint-Sulpice là, qui se fait soigner. Il y a des historiens qui pourront avoir quelques regrets peut-être de ne pas avoir davantage tenu le ballon au début de la deuxième mi-temps. Les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps ont été difficiles, même je dirais même les 25 premières minutes. C'est vrai que ça peut être un regret côté histoirien. En tout cas, il faudra lâcher les chevaux dans une semaine du côté de Saint-Sulpice lors du match retour, quoi qu'il arrive. Même si cette rencontre n'est pas encore terminée, il n'y a que 3 points d'avance pour Saint-Sulpice, mais les Haut-Garonnais qui ont la main sur le ballon, s'ils veulent aller chercher la victoire, là, les historiens, il faut aller récupérer la balle sur cette touche, mais la touche est assurée. Ah, ils ont assuré la premier bloc de saut. Oh, le ballon est tombé. Le ballon est tombé, pas d'un avant, indique l'arbitre. On joue les arrêts de jeu, mais il sifflera pas tout de suite. Et la longueur au pied encore une fois de Rockbert. Avec ce dernier ballon de relance, là pour les Issoiriens, avec Jaouda. Il y a un peu de terrain devant, il y a un peu d'espace. Surtout pas s'isoler. C'est bien joué. Avec Bourléo. Allez, la cavalerie là! Mathieu Ambard là, qui va aller mettre la pression. Attention, le ballon qui ne va pas sortir de l'air de jeu. C'est un peu n'importe quoi. Récupéré, et finalement. C'est du haut rugby là. Ah, pourtant, c'était pas très bien inspiré là, de la part de Callot. De Callot là, ce coup de pied. C'était curieux. Et c'est William Touris, me semble-t-il, qui n'a pas su se saisir du ballon. Alors que ça aurait pu offrir une dernière possibilité là, un dernier ballon intéressant à jouer pour les Issoiriens. Il y aura une dernière touche alors qu'il y a un joueur d'Issoir qui reste au sol. Allez, ça serait bien de la contrer celle-là. Hein. Alors ils assurent. Effectivement, ils premier bloc encore une fois. Ils sont très propres là-dessus, il n'y a pas de souci. On ne sait pas combien de temps additionnel il y aura. Il y a eu des arrêts de jeu, le chronomètre qui n'a pas été arrêté, mais la bonne défense là des Issoiriens. Une chose est sûre, on est dans le money time. Oui, effectivement, et les joueurs de Saint-Sulpice qui ont encore la main sur le ballon, ils auront été maîtres hein, dans ce secteur des ballons portés. Et c'est la fin sur cette victoire de Saint-Sulpice de 3 points, 16 à 13. C'est Sulpice qui s'impose à l'extérieur, Issoir qui prend le bonus défensif. La donne est simple, il faudra aller s'imposer avec plus de 3 points d'avance la semaine prochaine du côté de Saint-Sulpice. Oui, aller s'imposer, pas laisser le bonus à cette équipe de Saint-Sulpice. L'équation elle est simple, il faudra envoyer du jeu, il faudra tout donner. Ça ne sera pas simple, l'affaire n'est pas simple, mais l'affaire est tout à fait réalisable. Effectivement. Issoir a montré qu'elle pouvait avoir les solutions pour gêner cette équipe de Saint-Sulpice. Et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, très justement, j'aimerais voir la même partie sur terrain sec, dans des conditions de jeu plus rapides et peut-être plus favorables aux qualités issoiriennes. Oui, parce qu'on a vu hein, quand Issoir a voulu accélérer, notamment ils l'ont fait très peu en deuxième mi-temps, mais la seule fois où ils ont réussi à enchaîner les passes. Multiplier les temps de jeu, mais ils sont allés marquer, ils sont allés à dame, donc c'est pour ça, ça doit donner des motifs d'espoir pour cette formation du soir. Merci beaucoup en tout cas Arnaud de m'avoir accompagné aux commentaires cet après-midi. Écoutez, c'est un plaisir incommensurable de Manu d'avoir commenté cette rencontre avec vous. Et on devrait se retrouver la semaine prochaine du côté d'Issoir, on vous confirmera si, tout ça. Si vous arrivez à me supporter, moi, il n'y a pas de problème. Avec plaisir en tout cas, on vous confirmera tout ça cette semaine, mais il y a fort de chance effectivement qu'on vous diffuse le match retour la semaine prochaine du côté de Saint-Sulpice. Rien n'est joué dans ce barrage d'accession entre l'USI et Saint-Sulpice sur l'Aise. Pour l'instant, ce sont les joueurs de Haute-Garonne qui sont en ballotage favorable en ce week-end d'élection.
mais tout reste à jouer. Il y a un match retour la semaine prochaine du côté de l'Andorre. Merci Arnaud, merci à Philippe Robert qui était derrière la caméra. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et tous.